bah je vais peut-être me cacher. Waouh, je suis où en fait? On est dans une espèce de grenier tout ça. Esteban, oh t'es là. Salut. Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Ah mais où je suis atterri? Mais je suis où là? C'est quoi? Ah mais c'est vraiment bizarre, il y a 2 minutes j'étais encore dans ma chambre là. Et là je suis dans une salle de bain inconnue, trop bizarre. Eh oh, vous pouvez m'ouvrir, il y a quelqu'un? Oh, il y a personne, c'est vraiment trop bizarre. Eh oh, il y a quelqu'un? Il y a personne, non mais je rêve. Je suis où d'ailleurs? Oups. Oh, j'ai encore cassé. Eh oh, il y a quelqu'un dans cette maison? Eh oh. Ah waouh, c'est grand. Bon allez, ah c'est vraiment bizarre, je suis passée de ma chambre à une salle de bain bizarre. Bon allez, faut que je trouve un moyen pour rentrer. Oh, mais une cabane géniale. Bon, il n'y a pas de place ici. Bon bah je vais peut-être me cacher parce que... Ah, oh mais c'est quoi cette cabane? Elle m'avait pas l'air aussi grande. Waouh, je suis où en fait? Oh mais c'est quoi ce bruit? Lirose, Lirose, eh oh, t'es pas censé dormir là? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais c'est pas possible. Oh là 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 là, mais où elle est? Mais ça va pas recommencer, il se passe trop des trucs bizarres chez nous à chaque fois. C'est vraiment bizarre ici. Moi je suis juste rentrée dans une cabane en espérant rentrer chez moi et je me retrouve ici, c'est vraiment trop bizarre. Hiros, c'est plus drôle là. Réapparaît. Oh mais j'en ai marre, t'étais censée aller à l'école là. Qu'est-ce que je vais raconter encore à Peppa Pink? Bon bah franchement là les amis, Lirose a disparu, je sais pas où elle est. Je sais pas comment c'est possible, j'ai entendu comme un éclair. Je me suis réveillée parce que je me suis dit il se passe encore un truc chez nous. Un truc trop bizarre comme il se passe d'habitude là. Mais voilà, Lirose est plus là. Oh, en plus la chambre est en bazar là comme ça. Ah, et comment j'ai... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, des lunettes! Ah, mais je suis où? Il y a plein de toiles d'araignées. Ah, une lampe torche. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai touché un objet et je me suis retrouvé là. Oh, c'est trop bizarre. Lily Rose, t'es là? Eh oh, t'as disparu d'un coup. Est-ce qu'on a été victime de la même chose? Est-ce qu'on a été victime du même sort? Je ne sais pas. Bon bah... je sais vraiment pas quoi faire. Oh, il y a plein d'affaires ici. On est dans une espèce de grenier, tout ça. Esteban, oh, t'es là. Moi, je suis arrivée dans une espèce de cabine de douche trop bizarre. Ensuite, j'ai dû passer dans une fenêtre qui m'a menée dans une véranda. Après, je suis passée dans une cabane et je suis arrivée ici. Ouais, mais comment t'es arrivée dans cette cabine de douche? T'étais dans ta chambre? Attendez, vous entendez ce bruit? Attends. C'est trop bizarre, j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls ici. Bon bref, en attendant je vais te raconter mon histoire. Je suis allé dans ta chambre pour voir si tu faisais tes devoirs. J'ai touché un jouet et d'un coup je me suis retrouvé ici, sur cette chaise. Et maintenant on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans un grenier qu'on ne connaît pas. Toi aussi tu es arrivé d'une manière qu'on ne connaît pas et on entend des bruits qu'on ne connaît pas. Ouais, là il faut qu'on trouve un moyen de s'enfuir d'ici. Je sais même pas où on est, ça se trouve on est à des millions de kilomètres de la maison. Oh là là, comment on peut faire? Peut-être qu'il y a un raccourci pour aller chez nous, ici. Mais je pense pas, c'est vraiment bizarre. Arrête d'exagérer, des millions de kilomètres, pourquoi pas des milliards de kilomètres? Et il n'y a pas de raccourci, ici. De toute façon, moi je pense savoir ce qui s'est passé. À mon avis, c'est un jouet magique ou ensorcelé, que la sorcière a dû ensorceler, elle a dû nous jeter un sort, ce qui fait qu'on s'est retrouvé ici, on est totalement perdu. Mais ne t'inquiète pas Lily Rose, faut pas pleurer, faut pas être inquiet, parce que je pense avoir une petite solution. Ah bon? Une solution? Génial! Alors oui, justement, alors la solution c'est de... bon, alors il faut fermer les yeux, voilà, se concentrer et compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esteban, t'es où? Non. Oula, je panique un peu là, mais bon. Esteban, c'est pas drôle. Eh oh, on joue pas à cache-cache. Je pense qu'il est vraiment parti. Mais comment il a pu faire en 3 secondes? C'était un prank. En vrai j'ai aucune solution. Non mais t'as cru qu'on allait sortir d'ici normal? Bon, en tout cas, je vais te montrer un truc, hein. Voilà, par hasard. Là, il y a un escalier.
Ça t'a pas effleuré l'esprit de passer par l'escalier? En bas de l'escalier, il y a une porte. En bas de cette porte, il y a peut-être une autre porte. Et en bas de la porte, il y a peut-être une porte qui va nous mener à la sortie, à l'extérieur. Et on pourra enfin rentrer chez nous, peut-être, je ne sais pas. Allez, moi j'y vais. Bon, si tu veux, reste là avec ta potion magique et tes 1, 2, 3 soleils. Elle est bien ouverte. Ah, oui, j'arrive. Doucement, doucement, on va pas trop vite. Oh, c'est bon, j'ai retrouvé ma casquette. Attends, chut. Y'a quelqu'un là? Oui. Y'a quelqu'un, bon c'est pas grave. Là on a réussi à trouver une autre pièce un peu mieux éclairée. Ouais, donc on va appeler un taxi pour nous ramener chez nous. Oui. Bon allez. Allô monsieur, oui. Est-ce que vous pouvez nous accompagner 12 rue des Violettes, s'il vous plaît? Oui, vous êtes disponible? C'est un peu loin, c'est ça? Oui mais non, à une heure? Mais comment on a pu faire une heure en passant par une douche? C'est vraiment bizarre. Mais oui, bon, allez, oui, à tout de suite. Allez vite, le taxi est là, Lily Rose. Le taxi, il faut vite rentrer chez nous. Allez. Merci monsieur d'arriver aussi vite. Merci monsieur. Ça va monsieur, le taxi? Je vais très bien monsieur. Ça sera combien? Il faut vous payer combien? Ah, on verra l'arrivée, c'est l'arrivée qui compte, c'est pas le départ. Bah vite, on veut aller, rue, chez nous, voilà. Rue des Violettes, à Lille, voilà. Allez, c'est parti, allez, dépêchez-vous. Ça va Lily Rose? Oui, ça va très bien. Le taxi est confortable? Ah oui, très confortable. Ça va, tant mieux alors, parce qu'il nous est arrivé une histoire très bizarre monsieur. Ouais. Attachez-vous bien. On était enfermés dans une maison trop bizarre et on est arrivé là par hasard. Allez, démarrez vite. Bon les amis, enfin on est rentré chez nous. Ah c'était une super aventure, n'empêche, on s'est bien amusé. Lily Rose? Bah Lily Rose, tu m'as pas suivi? Lily Rose? Attends, on était dans la voiture il y a 2 minutes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais c'est pas possible. Non mais elle m'a pas suivi ou elle a redisparu ou quoi? Me dis pas qu'elle est retournée là-bas. Oh non, comment je vais faire? Bon là je suis parti à l'étage, regardez, elle n'est pas là. Elle n'est pas là du tout. Donc je sais pas où elle est. Bon là désolé les amis, je vous prends comme ça un peu bizarrement. Mais Lily Rose a vraiment disparu, elle s'est volatilisée d'un coup comme ça. Je sais pas l'expliquer, on était dans la voiture, on sort de la voiture. J'ai pas forcément filmé et là, au moment de rentrer dans la maison, plus là. Oh punaise, qu'est-ce qui s'est passé encore? Bon bah il n'y a plus qu'une seule solution, c'est de retoucher la peluche parce que apparemment c'est ça qui m'a emmené là-bas. Bon allez, je vais toucher ça et normalement je vais rejoindre Lily Rose. Allez, là, j'ai peur. 3, 2, 1. Ah, oh. Ah, je suis où? Oh non. Et... Oh non, je suis dans la cave. Ça n'a pas marché, j'ai pas touché la peluche comme il fallait. Oh bon sang, regardez où je suis là, il y a personne chez moi en plus. Oh, me dis pas que je vais devoir sortir par là. Bon, en tout cas, j'espère que Lily Rose va bien. Je pense que vous allez pas tarder à la croiser dans de prochaines vidéos parce qu'elle réussit toujours à s'en sortir. Mais bon, allez, clique sur une vidéo qui apparaît. Bye bye.